Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue. J'espère que tout le monde va bien. Nous voilà pour un nouvel épisode. Mais cette fois-ci, nous allons faire rapide puisque je vais tester les amiibo. Salut gamin, très heureux de faire connaissance avec moi. Je m'appelle Oncle Amiibo. Une petite question pour toi, gamin. As-tu des amiibo? Si tu les mets donc au travail. Ok. On va tester, hein. Figure-toi, certains amiibo permettent d'obtenir une tenue bonus. Veux-tu scanner? Oui, bah oui. Ok, donc on va tester d'abord. Le premier, c'est les Pikmin. Est-ce que ça marche? Faut le mettre au bon endroit déjà, je sais jamais. Alors, ah oui, tenez. Ah, faut avoir la main droite. Une seconde, mais c'est Olimar. Exact, je me souviens plus de son mot. Son nom. Sarugama. Une lune. Ok. Par contre, ça va lui prendre un petit moment. Donc reviens me voir dans 5 minutes. Enfoiré. Si tu trouves notre panneau gamin, tu peux scanner à nouveau en appuyant sur. Je ne te promets pas la lune, mais sache que ça m'aidera d'obtenir un bonus. Ah ok, je fais simplement ça. Donc Toad maintenant. Il faut faire en même temps droite et en même temps amiibo, c'est chiant. Ah lui il fait un cœur. Ouh, ça c'est intéressant ça. Link. Ok. Maintenant, je vois quelque chose. Si je le fais en lui parlant. Qu'est-ce que ça fait si je fais Link? Est-ce qu'il me fait la même chose que si je l'avais? Mais c'est Link. Ah ok, donc si j'utilise l'amiibo tout seul comme ça me donne des cœurs. Et sinon, ça me donne une étoile. Une lune. Ok. Et on va faire Toad. Pareil, non? Hop. Donc ça c'est Toad. Oui, dans 5 minutes, ok, d'accord. Ensuite, Princess Peach. Donc elle, est-ce qu'elle me donne déjà quelque chose comme ça? Ok, ça c'est un cœur. Oh, elle donne un cœur en plus. Ça c'est cool. Et si je lui parle comme ça? Ouais. Salut gamin. Ah, pas plus que 3 apparemment. Ok. La Kodak. Si je fais Mario. Ah, une nouvelle tenue. Ah non, je suis invincible. Ok. En fait, c'est Mario Pixel que j'ai mis là. Hein. Ensuite. Le loup de Twilight Princess. Une pièce c'est tout? Je fais de la gueule ou quoi? Ah non. Un cœur. Ok. Ganon. Un cœur aussi, ok. Pour l'instant c'est la princesse qui est le meilleur. Un gardien. J'ai dit un gardien. Donc attends, j'ai 756. Ok, encore un cœur, pareil. Bowser normal.
dis bozo normal. Il veut pas? Non, il veut pas, on dirait. Toi, t'as déjà fait, ça c'est bon? Non, je m'en fous, toi. C'est toi que je parlais. Bon, Bowser, on verra plus tard. Si je fais Link et cheval. J'ai dit Link et avec son cheval, Epona. Bon, bah, apparemment, c'est des pièces. Ah non, voilà. Tous des cœurs, sauf la princesse qui en donne 6. Ok, bah, c'est intéressant. Et Mario invisible, invincible. Ok. Donc là, c'était juste pour vous donner, pour vous dire ça et vous montrer ça. Voilà. 5 minutes. Ça fait 5 minutes ou pas, là? Ah! Devine qui est rentré de la chasse aux indices. Olimar. Ok, cool. Fais attention à toi, gamin. Ok. Après. Link et Toad sont en train de chercher les indices. Oui, donc maintenant, un que j'ai déjà fait. Donc on va dire Ganon pour le plaisir d'eux. Il fait quoi? Ganondorf. En fait, à chaque fois, c'est 5 minutes, on dirait. Ok. Bah lui, t'as dû me trouver déjà. Hein. Non, quoi que j'avais fait Toad entre les deux. Donc là, on imagine que j'ai fait Toad. Voilà, hop là. Hop là. Hop. Bon, ok, bon. C'était pour vous montrer ça, hein. C'est pas non plus hyper impressionnant. Donc je vous remercie, moi je vous dis à la prochaine vidéo pour carrément le let's play. Merci, au revoir.